Pour sortir de l'émission? Non, pas du tout, c'est tout naturellement. Merci. J'allais dire maintenant, on fait quoi? C'est quoi? Faut poser la question à monsieur Tongchang. Nous ne pouvons pas, en tant que responsables politiques, laisser notre pilote, Rétinou Fridon, dans cette situation, faire un pâté de pauvre. Nous sommes les gens de la mer, de l'océan, comme disait notre ministre de l'océan. Et oui. Mais je viens d'entendre certains discours nous dire qu'on ne sait pas où on va. Cela me fait penser à navigateurs des années passées, quand ils n'avaient plus leur boussole, ils ne savent pas où aller.
Je suis en train de lire actuellement un livre qui m'a été dédicacé par Michel Rocard et qui parle de ces fameux navigateurs polynésiens. Si vous, vous ne savez pas où vous allez, nous savons où nous allons. Nous savons regarder les étoiles, le vent, la lune, le soleil, la mer, les vents. Ça me fait rappeler également à cette fameuse, fabuleuse aventure, Trading with Freedom. Qui y croyait? Non, vous n'y croyez pas. Nous sommes les seuls à vous croire. Il faut arrêter d'intimider cette population. Arrêtez. Nos ancêtres ont vécu sur cette terre près de 2000 ans avant l'arrivée des Européens. Ils vivaient. Et d'après le premier navigateur, ces gens-là, ils étaient beaux. Bonne santé. Sauf que, parmi ces navigateurs, M. Bougainville était venu